maintenant devenu un lieu de vie, c'est d'abord la maison de Dieu. À ceux qui sont chrétiens, je propose un moment de prière. À ceux qui ne partagent pas votre foi, je demande d'arrêter leur visite et de rester là où ils sont, 2 minutes en silence. To the Christians among you, I propose a short prayer. From those who do not share our faith, I ask to stand. L'orgue repose sur des sommiers. Ce sont en quelque sorte ses bronches. Dix-sept sommiers supportent les tuyaux, reçoivent les vents et les répartissent à l'aide de soupapes actionnées par la console. De tout temps, il y a eu des orgues à Notre-Dame, au moins depuis le XIIIe siècle. S'il est dévolu principalement à la musique sacrée, cet instrument s'emploie à faire mentir les écritures. Le vent ne souffle pas toujours où il veut. Ici, on maîtrise les vents, on les met en réserve, on les transporte et on les libère à la condition qu'ils produisent au moment précis l'exacte vibration. Ces étranges serpents de plomb, dont chacun est une pièce unique, fabriquée selon d'antiques techniques, sont les tuyaux de postage. Il y en a des kilomètres. Ils conduisent l'air aux grands tuyaux de façade qui donnent à l'orgue lui-même une allure de cathédrale. Il mène le vent à la musique. L'orgue comprend aussi 800 tuyaux de bois, les bourdons, au son grave. Leur restauration, effectuée intramuros, et leur réglage se sont accomplis comme un long chemin de croix. Les compagnons manient aussi bien la scie que le rabot ou le diapason. Ils maîtrisent tous les aspects de la facture d'orgue, on dit pluridisciplinaire. Ils ont aujourd'hui leur école et leur diplôme, mais ils sont souvent facteurs d'orgue de père en fils.
cours de ces 3 années, le vent de l'orgue de Notre-Dame a tourné. C'était le Mistral et c'est la Tramontane. On a changé son parcours. L'air était jadis insufflé dans l'orgue par une dizaine de personnes actionnant en permanence des soufflets à pied. 4 étages de mécanique superbe menaient au sommier. Il a fallu innover pour retrouver l'authenticité du son. Un son unique pour un orgue unique, obtenu à l'arrivée d'un marathon de minutie et de patience. Dompter les vents est une entreprise ambitieuse et humble à la fois. Sur les sommiers, organes vitaux qui font la part des zéphyrs et des ouragans, l'étanchéité doit être parfaite. Scène de chasse au courant d'air. Ok. Un petit coup là, parce que je suis sur le pied. Ouais. 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 Ok. Ouais. C'est bon. Les grandes orgues, la porte étroite. Qui, parmi les 40 000 touristes déambulant chaque jour dans la nef centrale et les bas-côtés, a su que l'on restaurait? Parfois discrètement rappelés à l'ordre à l'heure des offices, les compagnons, facteurs d'orgue, se sont mis au rythme de Notre-Dame. Mais, dès la tombée de la nuit, ils avaient la cathédrale et ses mystères pour eux seuls. Tapage nocturne nécessaire pour redonner le jour à l'harmonie.